Bonjour, pour ce deuxième épisode de La France secrète à vélo, je vous entraîne en Franche-Comté et plus particulièrement dans le Doubs, terre de vélo par excellence. Car ici, tout est fait pour que les pratiquants, qu'ils soient assidus ou occasionnels, puissent trouver leur bonheur. Bref, vous l'aurez compris, le Doubs est incontestablement un des paradis sur terre de la petite traîne, que vous utilisiez le VTT, le vélo assistance électrique ou encore le vélo de route. Pour rouler, des infrastructures sécurisées existent comme les vélo-voies, les véloroutes avec le tracé notamment de l'Eurovélo 6, mais aussi les chemins de halage. Et pour ceux qui désirent découvrir le département, comme nous, sachez qu'un réseau de départemental est à votre disposition. Au programme de ce court séjour vélo, la découverte d'une taillanderie à Nance-sous-Sainte-Anne, ornant avec son musée Gustave Courbet. Nous plongerons dans les entrailles de la terre pour découvrir la grotte d'Ossel, qui peut encore aujourd'hui se prévaloir du titre d'antériorité touristique mondiale, et nous lèverons un coin du voile sur la saline royale d'Arcé-Senans, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour débuter ce court séjour au pays de Gustave Courbet, rien de tel qu'un bon petit déjeuner copieux, histoire de prendre des forces pour une journée au programme bien remplie. Bon, alors je crois que j'ai repéré une petite balade là, 65 km. Ça va aller, je pense, il fait beau là. Donc on va partir de Flagey, après on va aller sur le plateau. Le plateau ben, direction de la. Non, sous Sainte-Anne, là, il y a la taillanderie apparemment qui a un beau site à voir. Puis après, la rivière Le Lison, et j'ai vu qu'on pouvait revenir là par Clairon, il y a un château. Puis après, on suit la Loue jusqu'à Ornans. Puis après, on aura un peu de montée quand même pour revenir jusque là. Bref, un parcours ludique avec quelques belles petites côtes et parsemé au fil des kilomètres de curiosités incontournables. Et parmi ces curiosités donc, la taillanderie créée en 1828 par un certain Arsène Lagrange est située à Nance-sous-Sainte-Anne. La particularité de ce lieu... Ici, chez Philibert, c'était la faux. Et la faux Philibert sera même très réputée puisqu'elle va se vendre dans 27 départements en France et s'exporter vers la Suisse et l'Afrique du Nord au 19e siècle. Au niveau production, ça représentait... le 15e du marché français. Cette taillanderie a fonctionné jusqu'en 1969 et a gardé toutes ses installations d'origine, c'est-à-dire que les machines fonctionnent encore uniquement avec la force de l'eau, l'eau du ruisseau de l'Archange, un petit affluent du Lison, et ce ruisseau coule en permanence. C'est la raison pour laquelle il s'était installé à cet endroit pour bénéficier de l'eau à toute saison et un peu à l'écart du village parce que les forges étaient très bruyantes. Les marteaux avec lesquels ils forgeaient les lames de faux s'entendaient dans un rayon de 10 km et il valait mieux travailler à l'écart des habitations. Alors en visitant cette taillanderie, vous allez faire un retour en arrière. Alors là, c'est le 19e siècle. Les ateliers sont tels qu'ils étaient lors de la création en 1828. Et donc des ateliers un peu particuliers, puisqu'en 1828, il n'y avait pas de carrelage au sol, il n'y avait pas de blanc au plafond. Et là, c'est vraiment les ateliers de forge sombres, comme on peut imaginer les ateliers du temps de Zola. D'ailleurs, les bâtiments ont été classés monuments historiques. C'est pas par hasard, c'est vraiment, il y a une authenticité. Les ateliers, comme on dit, sont dans leur jus. Et là, on va retrouver vraiment des systèmes étonnants d'ingéniosité, surtout. Après cette plongée dans le 19e siècle, retour vers le présent, la départementale que nous empruntons nous amène vers Clairon et son château que l'on découvre au détour de la route.
Pour la petite histoire, cette bâtisse date du XIVe siècle et conserve ses défenses moyenâgeuses. Il est flanqué d'une tour carrée, dite tour de l'horloge. Sachez que seuls les jardins privés sont ouverts au public. Enfin, dernière halte de la journée avant de retrouver la ferme Gustave Courbet à Flagey, terme de cette balade. Ornon, avec ses maisons au bord de l'eau et son désormais célèbre musée. Gustave Courbet. D'accord. J'ai lu dans le Doumec que c'était l'enfant du pays qui est né à Ornon en fait. Et ils ont réouvert un nouveau musée depuis l'année dernière, ça fait un an. Je suis dans un atelier, et puis je commence à sculpter. Et puis je sculpte, et j'en fais une première, une deuxième, et en fait je remarque que dans la pièce d'à côté, il y a déjà d'autres sculptures, il y en a pas mal. C'est par la visite des jardins de la Saline Royale d'Arc-et-Senans que débute notre deuxième balade à vélo dans le Doubs. La particularité de ce lieu, c'est d'être théâtralisé en partenariat avec les écoles et les centres de formation agricole de la région. Mais la Saline Royale, c'est avant tout un homme. Cette saline est emblématique aussi du siècle des Lumières, puisque l'architecte qui l'a conçue, Claude-Nicolas Ledoux, était à la fois architecte du roi, mais aussi très imprégné des idées des Lumières et des références antiques, puisque ses maîtres étaient Serlio et Palladio. Donc ici, c'est à la fois, cette manufacture est à la fois un théâtre de l'industrie et du progrès, mais c'est aussi un théâtre solaire, dans le sens où, à partir de la maison du directeur, rayonnaient des allées pour aller à la fois rapidement d'un bâtiment à un autre, mais c'est aussi un axe radioconcentrique puisque l'architecture était panoptique. Et Claude-Nicolas Ledoux a construit cette architecture aussi par rapport à l'orientation du soleil, puisqu'il voulait que la forme du bâtiment soit aussi pure que la course du soleil. Et l'orientation est donc est-ouest, avec la maison du directeur orientée plein sud pour qu'elle reçoive l'ensemble des rayons solaires durant toute la journée. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter le musée dédié à l'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, seul musée d'Europe consacré à un architecte. Donc, pour ce deuxième parcours à vélo long d'une quarantaine de kilomètres, nous allons emprunter en partie le parcours de l'étape contre-la-montre disputée en 2012 par les coureurs du Tour de France. Au programme de cette journée, une plongée sous terre avec la découverte des trésors de la grotte d'Aucel. C'est une grotte qui a une histoire très importante puisque c'est la première visitée au monde. Elle se visite régulièrement depuis 1504. Ce qui était exceptionnel à l'époque, car si on regarde l'historique des grottes en général, on n'osait pas rentrer dans les grottes avant la fin du 19e, 20e siècle, pensant que c'était l'enfer. Donc vraiment, Aucel est une exception. Il y a eu plusieurs périodes importantes de la grotte. Premièrement, elle a été découverte au 13e siècle. Les premiers visiteurs ne parcouraient que les 200 premiers mètres. Ensuite, découverte d'un petit passage étroit, ils ont prolongé la visite. On a eu à l'intérieur des banquets pour Voltaire qui venait danser ici. Il y a eu des prêtres réfractaires qui s'y sont cachés pendant la Révolution française. Un pont a été construit au fond de la grotte sur la rivière souterraine en 1751. C'est à l'heure actuelle l'ouvrage le plus ancien qu'on puisse trouver dans une grotte. Et puis évidemment, la découverte des squelettes d'ours en 1826 par un Anglais, William Buckland, qui était alors conservateur du British Museum à Londres, où il a ramené ses squelettes. Et on ne quittera pas ces lieux sans aller visiter le musée des pierres, domaine réservé du propriétaire Claude Haze. Une collection considérée comme l'une des meilleures au monde. Thank you.
Après cette plongée dans le monde minéral, nous reprenons la route et au fil des kilomètres, nous aurons le temps d'admirer les paysages et le patrimoine à l'image du château des Sires d'Aban. Pour la petite histoire, c'est ici que le marquis de Jouffre d'Aban mit au point le premier bateau à vapeur à roues à aubes. Voilà, c'en est terminé pour ce deuxième numéro. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder et que cela vous a donné quelques belles idées pour cet été de venir rouler sur ces petites routes départementales du Doubs. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un troisième numéro. Cette fois-ci, nous partirons dans la Mayenne et là aussi, nous ferons quelques belles découvertes. Je vous dis bonne route et à bientôt. On ira tout à l'heure. D'accord. Moi, c'est bien ce que je t'avais dit. Je te fais le plein ? Allez, vas-y. Allez, deux petits lits de super, ça vous ira ? Ah, c'est parti. On a encore la route, hein. On a fait que la moitié. Hein. Belle route. Oh, je crois que ça va aller. Ha ha ha.